Bonjour à tous les Breakers et bienvenue sur TGS Workstar Club pour une nouvelle vidéo sur GTA Online et on va s'occuper du nouveau contre-la-montre de la semaine, le contre-la-montre HSWAO Special Works qui est donc situé cette semaine du côté de Textile City, donc dans le marché, voilà ici sur cette map. Il est à faire en moins d'une minute 47, alors c'est bizarre, vous voyez 1 minute 47 ici et quand je regarde là, il est... Ah bah tout à l'heure il était à 1,59, ils l'ont réduit. C'est très très bizarre. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu la destination, comme d'habitude. Donc, j'ai déjà mis le point et vous voyez, bah, c'est pas bien compliqué. Il faut tout simplement prendre la ligne droite. Ici, au lieu de tourner ici, à la limite, vous prenez directement cette voie-là pour gagner du temps. Mais bon, ça va être à contresens, donc c'est à vous de choisir. Ou alors, directement. Arrivé ici, vous prenez à gauche et vous prenez directement la route ici. Donc après, c'est à voir comment vous le sentez. Moi, je prendrais quand même plus l'autoroute pour que ça aille plus vite. Et après, c'est du tout droit, quoi. Clairement, voilà, quoi. Ça va, c'est du tout droit jusqu'au camp des Lost. Donc ça va pas être bien compliqué. Donc moi, comme d'hab, je vais le faire avec la Devest parce que je pense que ça va être faisable avec la Devest 8. Mais si vous voulez vous faciliter la tâche, faites-le en accoucheux drag. Bien évidemment, avec l'évolution et l'amélioration HSW de AO Special Work. Puisque sinon, vous pourrez pas le faire. Après, si vous voulez vous faire un petit défi, c'est plus drôle de le faire en voiture. Moi, j'aime bien le faire en voiture parce que je suis pas très moto de base. Et donc, vu que maintenant j'ai la possibilité de le faire en voiture, autant le faire en voiture. Donc, ce que je vous conseille aussi avant de partir, si jamais vous avez peur de vous tromper de chemin, je l'ai pas montré la semaine dernière, mais la semaine d'avant si. Moi, je mets toujours le radar étendu comme ça attaque. Donc, radar étendu et radar activé. Comme ça, je vois bien mon chemin, vous voyez, de loin, et je sais où je vais. Donc là, on va aller tout droit, tourner à gauche, et puis voilà quoi. Allez, on est parti. Voilà les Breakers, c'est donc un peu chaud comme je vais pas vous mentir en dévest avec les petites routes comme ça, mais c'était sympa à faire. En tout cas, voilà, moi ce que je vous conseille c'est de le faire en moto, ce sera franchement le plus simple quand même, parce que même à contresens, vous avez vu, c'était tendu quand même. Donc voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce du soutien, à dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à dire bah, comme les semaines précédentes, quel temps vous avez fait, avec quel véhicule, ça me fait toujours plaisir de voir un peu ce que vous faites. Et puis n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos sur les contre-la-montre ou sur toutes les vidéos concernant GTA Online ou informations autour de Rockstar Games, bien évidemment. Merci à vous tous pour votre soutien. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, Twitter et Instagram, tous les liens sont dans la description. Passez un agréable week-end et à très vite sur TGS Rockstar Club. Ciao!